1997, pour moi, est une année verte. Alors, à l'époque, il a fallu que je trouve des vêtements avec du vert pour pouvoir les porter, afin de correspondre à cette réalité. Mais dès l'année suivante, 1998, il a fallu que je change de vêtements parce que c'était une année rouge. Pour moi, chaque couleur, chaque chiffre a une couleur et chaque couleur a un chiffre, mais aussi des sons, des formes, des odeurs, des mouvements. Par exemple, le 1, pour moi, est blanc émail. Le 2 est violet mauve. Le 3 est un losange orange. Le 4 est un escalier en bois vert foncé sous lequel je suis assis. Le 5, c'est comme ça, c'est un flash de lumière jaune. Le 6, c'est bleu foncé. Le 7, il est compliqué, c'est un vert clair et je ressens des épingles dans la bouche et c'est aussi le dos d'une femme. Le 8 est tout rouge. Le 9, c'est du bois noir et jaune. Alors c'est comme ça s'impose à moi et ça a toujours été comme ça. Depuis 20 ans, je passe beaucoup de temps à écrire et à penser des chiffres relatifs au sprint, à l'historique du sprint. Alors j'archive, je classe, je compile ces chiffres du sprint et ça me permet de retrouver une cohérence parmi toutes ces sensations, étalées un peu comme sur la palette d'un peintre avant d'être synthétisées sur le tableau. Alors ma principale source d'approvisionnement de chiffres, ce sont les livres. Et ma manière d'entrer dans le texte des livres, ce sont les chiffres. D'autant plus si c'est un texte de langue étrangère. Alors quand j'étudie, par exemple, une série d'articles chinois dont je ne maîtrise pas la langue, les chiffres me permettent de déchiffrer le sens du texte. Avec leur matérialité, leur couleur, leur forme, leur mouvement, les chiffres me sautent aux yeux. Par exemple, sur un texte comme ça, le 7 explose en vert, le 8 rouge. Et je vois tous les autres chiffres comme ça clignoter. Et en les associant, 10, 79, 22, 01, 35, 78, 100, 200, 300, tout de suite, je pense aux performances d'une sprinteuse, Li Xuemei, qui a réalisé ses performances 10,79 sur 100 mètres, 22,01 sur 200 mètres à Shanghai en 97. Il n'y en a qu'une, c'est Liu Xiaomei. Donc je suis sûr que c'est elle. Par contre, le 35,78, je ne connais pas. Alors je me suis dit que ça devait être sa performance sur 300 mètres, mais il n'y en a aucune répertoriée. Et ça m'a été confirmé par la traduction du texte. Donc quand j'ai découvert ce chiffre, ça a été une grande joie pour moi parce que c'était un chiffre inconnu. Et je connaissais aussi peu de choses sur cet athlète, à cause de la barrière de la langue, évidemment. Et connaître ce chiffre, ça m'a appris à connaître un petit peu mieux cet athlète également. Alors, ces liaisons entre les perceptions sensorielles et les chiffres, ça s'appelle la synesthésie. Syn, ensemble, esthésie. Sens. Et ce qui distingue la synesthésie d'une hallucination, c'est que le synesthète perçoit, il vit ses perceptions de manière permanente. On serait tous synesthètes à la naissance parce que nos sens ne sont pas encore spécialisés, ils le deviennent progressivement. Seuls les synesthètes conservent cette faculté qui fait que lorsqu'un sens est stimulé, les autres le sont aussi. Alors, ces perceptions sont
involontaires, elles sont permanentes, mais elles sont aussi individuelles parce que pour moi, le 8 est rouge, mais pour un autre synesthète, il sera d'une autre couleur. Alors très tôt, je me suis aperçu que cette façon de capter les sons, les odeurs, les couleurs, tous les sens, c'était très difficile à partager, que ça déclenchait l'incompréhension face de moi, et j'ai cru que le dialogue n'était pas possible. Donc j'ai commencé à croire que les autres étaient bizarres, et passé cette période, je me suis dit que c'était moi qui étais bizarre, et j'ai commencé à abîmer, à enfouir toutes ces émotions, tous ces sentiments qui se mélangeaient. Et je les gardais pour moi, et ma façon de les vivre, c'était à la maison, tout seul, avec les livres d'art, où là, c'était une explosion colorée avec les tableaux de toute époque. Donc je recopiais ces tableaux, je recopiais les sculptures. Et plus tard, je recopiais les listes de chiffres. C'était ma manière de vivre ces sensations pleinement. Et finalement, aujourd'hui, avec l'expérience, je me rends compte que ce qui m'isolait à l'époque, c'est précisément ce qui me permet de créer du lien, de tisser du lien avec les autres. Et on peut comprendre ces différences de perception comme des positions différentes. Je vais prendre un exemple. Quand on voit cet objet de face, on peut voir un 8 rouge. Mais si je me mets de profil, si je fais un pas de côté, on peut voir un 1 blanc. Selon notre position, on n'a pas le même point de vue, on voit des choses différentes. Et seul le dialogue permet de prendre en compte tous ces petits points de vue différents autour d'une même chose. Alors il ne s'agit pas de savoir qui dit vrai, nos sens ne nous trompent pas. Il ne s'agit pas non plus de trouver une sorte de voie médiane ou de compromis qui mettrait tout le monde d'accord en disant qu'au fond c'est un 4. Non, c'est un 8 à la fois un 8 et à la fois un 1. Et mon parti, c'est de dire qu'il faut prendre en compte cette réalité relative, conflictuelle, paradoxale. Le paradoxe, c'est en grec para, à côté de, doxa, l'opinion commune. Se mettre à côté de, prendre la place de, c'est changer d'opinion. Changer de position, c'est regarder le monde sous toutes ses facettes. C'est le regarder comme à travers un kaléidoscope. Alors l'opinion commune, la doxa du sprint, veut que l'épreuve la plus brève, la plus courte du programme des Jeux Olympiques soit le vite, le vif, le bref, le prompt. Le mot sprint lui-même, par sa racine, est une onomatopée. Une onomatopée spr, qu'on retrouve très loin dans les origines du langage proto-indo-européen, qui a donné ensuite des mots en allemand et surtout en anglais, comme le mot « spray » ou encore le mot « spring » qui veut dire « sauter ». C'est aussi un ressort et ça veut dire « printemps ». C'est de là que vient le mot « printemps », littéralement le premier temps, le temps qui jaillit. Alors le son « spre » indique un mouvement de jaillissement, un mouvement explosif, un mouvement vigoureux. Et ce son a entériné l'idée que le sprint, c'est une grande explosion musculaire. Et d'ailleurs, quand on voit les sprinteurs courir à 100 mètres, on a cette impression-là. Mais on sait aussi,
que pour courir vite, les sprinteurs ont besoin d'un grand relâchement. Alors, il faut que je prenne en compte ce paradoxe en tant qu'entraîneur. Grand relâchement, grande explosion. Ce son spr, donc, existe depuis des millénaires dans la langue, mais il existe aussi dans le muscle. Et ça, on le sait depuis le XVIIe siècle, où on a réussi à l'époque, on a réussi à enregistrer la sonorité du muscle lors de son activation. On parle de bruit lorsqu'il est activé et de silence lorsqu'il ne l'est pas. Ça s'appelle des études myophonographiques. Alors, un mouvement musculaire, un sprint, c'est une alternance de bruit et de silence, de bruit et de silence, de bruit et de silence, très rapide. Et quand on part du muscle lui-même, on voit qu'il se contracte et se relâche, il fait du bruit, du silence, et plus on le contracte fort, plus il faut savoir le relâcher lentement, c'est-à-dire que le relâchement est la condition de la contraction. Par exemple, Oulu Fassouba, que j'ai entraîné à partir de 2004 et qui est devenu champion du monde en 2008, lui, naturellement, il savait contracter ses muscles, c'était sa force. Mais bien sûr, il a dû travailler cette faculté naturelle, mais il a dû aussi apprendre à se relâcher. Christine Aron, ancienne championne du monde en 2003, que j'entraîne depuis 2009, elle, c'est l'inverse. Son point fort, c'est le calme. Elle sait naturellement se relaxer. Et elle m'a dit que, étant jeune, l'un de ses premiers entraîneurs lui a appris des exercices pour crisper ses muscles, faire crier ses muscles. Alors, il y a des techniques diverses pour apprendre à contracter et à relâcher ses muscles. Et on voit que cette sonorité et ces mouvements musculaires, eh bien, ce fait de voir du bruit, le fait d'entendre des mouvements, c'est une résonance d'une synesthésie qu'on a tous, qu'on partage tous. Alors, bien sûr, le synesthète a des résonances plus complexes, plus imbriquées, peut-être plus riche. Quand j'observe une course, il y a en moi des va-et-vient, des allers-retours entre des quantifications de chiffres, entre des qualifications de sensations qui me font connaître le rythme, l'harmonie, la mélodie. En somme, la musique créée par les mouvements des quelques 640 muscles du corps humain. Pour moi, coacher, c'est d'abord écouter cette petite musique des sprinteurs. Et ensuite, c'est pour chacun composer des plans d'entraînement qu'ils pourront jouer, interpréter, avec leur corps. Et si vous pouviez entendre la petite musique secrète d'Oulu Fassouba, vous auriez devant vous un presto, un vivace, alors qu'avec Christine, vous auriez plutôt devant vous un adagio ou un andante. Merci.